Et les rappeurs s'engagent contre le Rassemblement national avec un titre, Candice Mahout, qui s'appelle No Passaran. C'est sorti hier soir. Exactement, c'est sorti cette nuit. Akhenaton, Fianso, Seth Gecko, Soso Maness. Ils sont une vingtaine à s'engager dans ce titre. J'adore les juifs. Et les homos. Les homos un peu moins. Je suis complètement homophobe. Je ne suis pas section d'assaut, mec. J'assume. Je ne suis pas le phare. Qui dit qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un homophobe? Je sais très bien ce que c'est qu'un homo et un homophobe. Je suis homophobe. Face sur Ruquier sur l'épisode 8. Ouais. Est-ce que tu irais à On n'est pas couché. Non, j'irais pas. Invité. J'irais pas. Non, j'irais pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de voir cette monstruosité qui pue le sperme. Parce que c'est ça... pas pour vendre 2-3 disques en plus, aller me mélanger avec des putes homosexuelles, ça me dirait. J'ai appris récemment que t'as pas le droit de parler des homosexuels et des juifs. T'as pas le droit de toucher à ces gens-là. Bientôt, t'auras plus le droit de les traiter, ces gens-là. Parce que c'est un peu eux qui contrôlent le rap aussi. Ils contrôlent tout, ils contrôlent la planète, donc ils contrôlent le rap aussi. Ils sont derrière la télé, ils sont derrière les maisons de disques, ils sont partout. On vient vous la faire à l'envers, comme si on avait le revolver de Hitler. J'avance, je regarde, pas d'air, guerrier, famille, rétro. Allons brûler les locaux de Charlie Hebdo. J'ai les mains humides, attends les flammes comme Mohamed Atta. Vaut mieux méditer sur son sort en préparant l'attentat. Mais j'aimerais penser ce qu'on dit. Toi tu fais plus le temps de charger tout ça. C'est moi qui arrive quand tu vas chercher Fouzi. J'en passe avec le pont devant la Mezouza. J'en passe avec le pont devant la Mezouza. Les impôts qui nous saignent, négro, diabolisés par les lecteurs de la presse populaire. Laisse que je le répète, je baisserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Ce que moi je voudrais voir, qu'on puisse voir derrière ce morceau, c'est le cri d'amour, l'hymne à l'amour que ces jeunes chantent pour la France. C'est un cri d'amour. Oui.